Bonsoir. Eh bien, après nos récentes excursions vers les big bands français, nous allons une fois de plus visiter un domaine pour le moment dans les marges du jazz, celui de la fusion musique, qui, avec des fortunes certaines, mais des esthétiques discutables, séduit de par le monde de nombreux publics plus sensibles aux effets de croisement de serres qu'aux cultures de pleine franchise. Musique faisant appel à de nombreux appareils électroniques pour élargir le champ de leurs moyens. Voyons, ou plutôt écoutons, si ces brûlots valent la chandelle du jazz. Nous allons diffuser des enregistrements des groupes Sparrow Gira, EFX et Chick Corea. Chick Corea, tout d'abord, et son Electric Orchestra, une musique qui reste d'une grande lisibilité, en dépit du fait que Chick Corea se sert d'un nombre considérable de moyens. Il a 5 claviers, Yamaha, Rod, Fender, des énormes synthétiseurs, avec des assistants pour programmer tout ce matériel. Et il est en compagnie de Scott Anderson à la guitare, de John Patitucci à la guitare basse et de Dave Welk à la batterie. L'enregistrement que nous allons entendre a été réalisé dans le cadre du festival Le Temps du Jazz à Amiens, c'était le 13 mai de l'an passé. Le thème que nous écoutons s'intitule « Got a Match ». Thank you.
Goethe Match, petit exercice de virtuosité de mise en place par Chick Corea et l'Electric Orchestra, enregistrement réalisé au Festival d'Amiens.